directeurs généraux des régies de la ville de Kinshasa. Monsieur le directeur général de l'entreprise Aron Sèvre SRL. Monsieur le directeur général du bureau technique de contrôle. Monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Messieurs les conseillers municipaux de la commune de Kinshasa. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives pour protocole observé. Mesdames et messieurs. Le gouvernement provincial décidé d'achever son programme jusqu'au crépuscule de son mandat et cela pour la satisfaction de la population kinoise. C'est ainsi que la cérémonie de ce jour est relativement dédiée au lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu par son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous avons cité Gentili Ngobila Mbaka. Comme toujours, l'entreprise Aron Sèvre SRL accompagne le gouvernement provincial dans sa lourde mission de la reconstruction de la ville de Kinshasa. Ainsi donc, la cérémonie de ce jour, les interventions suivantes sont prévues par le protocole. Un mot de bienvenue par le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Deux, une brève présentation du projet par le conseiller technique du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et en dernier lieu, le discours proprement dit de son excellence monsieur le gouverneur qui sera suivi par le lancement. Et un cocktail sera servi juste après la cérémonie. Excellences, messieurs les gouverneurs, distingués invités, tout en réitérant mon souhait de bienvenue en ces lieux, je vous dis grandement merci pour l'attention m'accordée. Que vive la commune de Kinshasa. Le Fonds national d'entretien routier, preneur en cycle. Monsieur le directeur général de l'Office de voirie et drainage ici représenté. Monsieur le directeur général du bureau technique de contrôle ici représenté. Monsieur le directeur général de l'entreprise Aron Sèvre SRL, monsieur le membre du comité de sécurité, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui procédé, comme annoncé hier au camp Lufungula, au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la rue Kasavubu par l'entreprise Aron Sèvre SRL. Ces travaux s'exécutent conformément au contrat numéro 005/GPK/MINDPI/CGPMP. Par 2023, signé entre mon gouvernement et la société Aron Sèvre. Toujours guidé par ma maxime vision, illustré par le substantif Kin Bopeto, expression globalisant les prémices du développement de notre grande ville, comme en qualité du chef de l'exécutif provincial, je me range sans relâche à redorer, tant soit peu, les blasons ternis les plus belles lurettes de notre ville, afin d'offrir aux Kinoises et Kinois un réseau routier assez praticable, malgré les multiples contraintes qui ont émaillé notre mandature à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est le cas de la pandémie de Covid-19 qui, pendant 2 ans, a impacté très négativement tant sur la courbe de nos recettes que sur l'efficacité des services. Ceci n'est plus qu'un souvenir d'amertume, de passe noire, des temps écoulés. Ainsi, dans cette foulée des actions intensifiées et ciblées, grâce à un esprit aguerri, et se matérialise notre détermination à travailler sans relâche au service de cette mégapole qui se veut rénovée et modernisée. Dans ce même registre,
s'inscrit le lancement des travaux similaires sur l'avenue Croix-Rouge, projeté pour ce jeudi 8 février en cours. C'est dans cette perspective que nous faisons nôtre la vision chère au président de la République chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par sa phrase célèbre, je cite, le peuple d'abord. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, la réhabilité de cette chaussée de la vue Kassavubu, reliant le grand marché et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance en ce qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du grand marché et de ses faits impacte sur le développement économique, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. Ces travaux vont consister à la réhabilitation de la chaussée, à la construction et à la réparation des ouvrages d'assainissement, ainsi qu'à la signalisation horizontale et verticale. L'entreprise Aaron Sefour SARL a été sélectionnée pour mener en bien ses travaux en raison de son expertise, de son professionnalisme et de son engagement pour le développement de notre ville. En effet, conformément aux accords qui nous lient, cette société appartenant à un digne fils du Congo rassure pour une garantie de 13 ans à la livraison des ouvrages. Autrement dit, l'entreprise est responsable des éventuels entretiens pendant la durée de la garantie, c'est-à-dire 13 ans. Durant, cette société va s'occuper des entretiens et des différentes réparations éventuelles. En confiant ces travaux à cette entreprise locale, nous avons fait les choix de la qualité, de l'efficacité et du respect des délais. Je suis persuadé que leurs équipes sauront mener à bien ces projets avec succès et je tiens à leur témoigner ma gratitude pour leur engagement et leur dévouement dont ils font preuve envers notre ville. Honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs en vos titres et rangs respectifs, profitant de cette occasion, je vous invite tous à soutenir et à accompagner ces initiatives. Ensemble, nous pouvons faire de Kinshasa une ville plus belle et plus attrayante pour tous où il fait beau vivre, car chacun a, à une certaine mesure, une responsabilité sur l'amélioration de notre environnement vital. Maintenant que les caniveaux, les avaloirs, les égouts, les collecteurs et tous les ouvrages de notre voirie urbaine seront en état de propriété, je vous invite à plus de civisme. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Allez,